je suis resté à Brisbane pour Noël. Chaleur et ambiance festive qui se ressentent à travers les rues de la ville. L'Australie n'a aucune religion officielle. Mais les Australiens se déclarent chrétiens ou anglicans. Noël est fêté par les Australiens, comme dans les pays de l'hémisphère nord. Cependant, c'est l'été. Je me balade en profitant des décorations et les illuminations des lieux publics. Pendant cette période, les villes sont dynamiques, avec beaucoup d'activités. En Australie, c'est la grande période des vacances scolaires. Rencontre avec le Père Noël, jeux pour les enfants, marché de Noël, tout y est. La grande tradition australienne est le concert de chant de Noël en plein air. Tradition commencée à Melbourne en 1937 pour le réveillon de Noël. Le plus grand concert est aujourd'hui le Carol in the Domain de Sydney. Tous les ans, nous avons droit au Brisbane Annual Christmas Parade, présenté par Devin Jones, entre le 14 et le 23 décembre. Événement situé à Queen Street Mall. Puis, j'entends les cris des enfants. C'est l'heure de la projection sur la façade Gold Lotto Cities All Lights. De nombreux contes de Noël australiens prennent vie sur la façade de l'hôtel de ville. Thank you.
Brisbane, nous avons le droit au feu d'artifice du 20 au 23 décembre. Le 24, les derniers achats se font sentir. Beaucoup de restaurants et bars restent ouverts tard, avec des chansons de Noël dynamiques et festives. Le 25, tout le monde sort dans les quartiers dynamiques des villes et sur les plages, baignades, pique-niques. Il est devenu traditionnel pour les visiteurs qui sont à Sydney d'aller à la plage de Bondi, où viennent jusqu'à 40 000 personnes ce jour-là. Noël au chaud, aussi plonge d'un saut. Le décor magnifique, dans un pays bien chaud. Ailleurs sous la chaleur, quelques gouttes de sueur. De promenade sur une île, le Père Noël en Australie.